Billets achetés non reçus, Algérie Ferry explique la procédure à suivre. Algérie Ferry, comme Air Algérie, a vu son programme d'été enrichi. Il est porté à 7 dessertes par semaine, selon le nouveau plan publié le jeudi 19 mai par le ministère des Transports. Ainsi, les bureaux de Paris, Marseille, Lyon et l'île d'Algérie Ferry ont connu une grande affluence, engendrant du coup des situations d'anarchie. D'ailleurs, ces agences ont fermé leurs portes depuis lundi dernier à cause de cette situation de chaos. Certains des clients qui les ont envahis ces agences dès les premières heures de lundi dernier ont payé leurs billets, mais sans pour autant les recevoir. Algérie Ferry s'est exprimée sur le sujet. Dans une note publiée sur sa page Facebook le vendredi 20 mai, la compagnie a expliqué en effet la démarche à suivre à cet effet. Les clients ayant effectué le paiement sans recevoir leur billet peuvent s'adresser à la compagnie à travers l'adresse email suivant entmv4800@gmail.com, a indiqué Algérie Ferry dans son communiqué. Les clients concernés sont toutefois appelés à envoyer les justificatifs de paiement, ajoute la même source. Ces derniers auront ainsi le choix entre l'achat d'un billet ou le remboursement du montant débité, précise la compagnie de transport maritime algérienne.